Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans The News Naruto. Alors aujourd'hui, on va se retrouver juste pour une petite vidéo détente, hein, histoire de changer un peu. On va faire du combat libre, tout simplement. Donc voilà, on va simplement faire du combat simple. Je vais peut-être vous parler de deux trois petites choses pendant la vidéo. Alors la première, si vous avez vu mes vidéos sur ma chaîne, j'ai mis le trailer, le tout premier trailer de Naruto Storm 3. Ouh, ninja vétéran, ça a pas l'air de rigoler. Je retire. J'ai trop peur. Non, là, au début, j'aurais juste commencé un peu tranquille parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc je vais juste commencer un peu tranquillement. Je vais pas non plus me prendre la tête pour rien. Allez, un Genin, allez. Tant qu'à faire. De toute façon, s'il reste, bah il reste. Oui, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, le tout premier trailer de Storm 3. Alors, on a vu. Alors, c'est un trailer de 2 minutes, 2 minutes 20 environ. C'est vrai que je m'attendais pas à mieux, mais de toute façon, pour moi, c'est un très bon trailer. Déjà, ça montre, on va dire, le début du mode histoire. Oui, ben, Itachi. Salon déjà le début du mode histoire avec Kyuubi et une petite phase de gameplay. On peut déjà constater que en dehors du troisième Hokage, il y a aussi tes partenaires qui balancent des attaques et tout ça. Donc c'est déjà une petite nouveauté. À part si je me trompe, mais il n'y a pas eu de partenaire extérieur qui balançait des attaques pendant les phases de boss battle sur Storm 2. Donc voilà. Alors, j'ai pris Kizame Itachi, et lui il a pris, ok, il a pris l'équipe Rasengan, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, alors il y a une personne qui, bon, il s'est pas plaint, hein, mais il a vu un peu trop de Naruto et compagnie sur... Ah, je vais faire le Geek Cancel. Oui, je disais, il s'appelle Verdom 1234578, sur une de mes vidéos, il m'a dit qu'il avait vu un peu trop de Naruto Sasuke, donc... Pour lui faire plaisir, il m'a donné une liste de personnages et il m'a mis Kizame dans sa liste. Donc, je prends le. Alors, il m'a dit Kizame, Shino Petit. Ok, bon, bah, Rasengan par derrière. Il m'a dit Kizame, Shino Petit, Gai, Shikamaru. Ah, il m'a eu. Donc, voilà, je vais honorer sa commande et je vais prendre ses persos. Pas des persos que je maîtrise forcément, mais bon, je suis toujours à l'écoute. Oh là là, je suis toujours à l'écoute de mes abonnés. Oh non, mais putain, mais c'est pas des Rasengan par derrière, il y a, regarde, boum, allez hop. Ah, mais c'est pas possible. C'est vrai que Naruto Sinon, c'est quand même un personnage pas facile à maîtriser, hein. Avec ses combos. Allez, Itachi. Bah non, mais c'est une blague, je me suis protégé. Non, je passerai pas en mode éveil. Bon, bah d'accord. Je vais me faire démolir. Bon, bah alors, je vais spammer de shuriken, vous comprendrez pourquoi. Ah, allez, oui. Oh, dommage. Je ne dirais pas bien joué, mais parce qu'il m'a quand même fait pas mal de Rasengan dans le dos, mais bon. C'est le jeu, on fait avec. Alors, je vais prendre Shikamaru. De toute façon, on va faire deux ou trois combats et ensuite... Et on se peut, ouais, deux ou trois ou même quatre, et ensuite on va arrêter. De toute façon, la prochaine vidéo, ce sera le Replay Ninja 5, si je me trompe pas. Ouais, parce que la semaine dernière, on n'en a tout simplement pas eu, parce qu'on m'a tout simplement proposé de ralenti. Ou les ralentis qu'on m'a proposé, c'était pas des bons, quoi, de toute façon. Donc voilà. Non, c'était pas peine, c'était Shikamaru. Donc voilà, j'espère qu'il reprendra pas son Naruto Seinin, parce que sinon, ça va faire mal. Sasuke, ok. Ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas joué à Naruto. En ce moment, je ne joue pas trop à Naruto, même à la console, hein, parce que de toute façon, je sors
Je sors de plus en plus vu que maintenant il fait très chaud, c'est le début des vacances et j'ai pas envie de rester devant ma console toute la journée. Donc voilà. Donc si vous avez vu une baisse de niveau ou quoi que ce soit, de toute façon je n'avais pas un niveau extraordinaire, même si je m'étais un peu entraîné. Ouf. Oh, j'ai quand même bien enchaîné avec le combo de Shikamaru en l'air. D'accord, j'ai appuyé sur le jeu, j'ai demandé la touche de permute, mais ça ne l'a pas fait. Bon, bah. Alors, je ne sais pas ce que je voulais. Qu'est-ce que j'ai voulu faire, mais bon. Ouh là 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 là. Je sens que ce combat va être très serré. Ah, je l'ai eu un peu. C'est vrai que j'aime bien le combo de Shikamaru en l'air. Ça permet ensuite de tenter des enchaînements. Oh là, j'ai eu de la chance sur le coup. Parce que s'il avait pas fait un ninja move, j'aurais pris cher de ma peau. Bon, je vais arrêter moi avec les shots. Ouais, ben là. Je change, je sais pas pourquoi, mais quand je vais dasher. Oh, il passe en Matsuzano, lui, il joue beaucoup les éveils. Allez, je vais pas le lâcher là. Je vais pas le lâcher de. Pas le lâcher d'une semaine. Oh là là, il va me faire que Denton. Pas très futé, hein. Il n'est pas très futé. Bon, ensuite je vais prendre Shino Petit. Alors, je voulais aussi parler d'une chose. Il n'y a pas très longtemps, je viens juste de créer mon compte Twitter. C'est vrai que sur Twitter, j'ai eu merde. Sur Twitter, c'est vrai que j'ai eu quelques petits a priori. Voilà, parce que... Je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait dessus, mais voilà quoi. C'est vrai qu'on en parle très souvent de Twitter, et en plus c'est quelqu'un qui me l'a conseillé de me créer un compte Twitter, donc j'en ai créé un. Je pense que je la mettrai dans la description. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, ouais, c'est ça, c'est normal, c'est un abonné parce que je connais pas tellement le langage Twitter et tout ça, donc si j'ai une connerie, bah vous me le dites. Donc voilà, j'ai créé un compte Twitter et de toute façon vous pourrez mater. Oui d'accord, la masquer. Ok. Donc voilà, je posterai quelques informations. De toute façon, toutes mes vidéos que je ferai, bah, ils seront mis sur Twitter. Donc voilà. Bon bah la masquer, je pense qu'on va connaître vite fait la musique. Ok, bon bah tombeau Tenchi pour commencer. Oh, mais ça me gonfle. Putain, c'est pas l'adversaire honorable. Là, j'ai juste envie de le bouffer. Ah là, j'ai quand même eu un peu de chance sur le coup. Vas-y, maintenant je vais faire le salaud. Vas-y, j'attends qu'il lâche. Ok, j'appuie sur. J'ai demandé que Kiba vienne, mais il n'est pas venu. Oh là 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 là. Ah
Oh là là, tombeau Tenchi. Allez. Oh, ça c'était magnifique. Alors ça, c'était un coup de beau gosse. Oh non. Non. Non, dis pas qu'il a rage skip. Ah non. Ah, il a rage skip. T'as rage skip? Est-ce que t'as rage skip? Oh. Ouh. Oh, il craint, le mec. Oh, il craint. Oh là là, pour une fois que j'ai fait un combo, mais superbe, il a osé quitter. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Oh là 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 là. Ah non, moi j'aime pas ce type de comportement. Moi je dis que sur Storm 3, il faut qu'ils mettent le système un peu comme, je sais pas si vous jouez à PES ou à FIFA, quand on quitte, quand on rush quitte, on a une défaite et on perd des points. Moi j'espère que franchement sur Naruto c'est la même chose. C'est quand on quitte, on perd des points, on a une déco et on a une défaite. Moi je pense que c'est logique, c'est normal quoi. Ah oh non mais voilà, je suis quand même deg, mais en même temps je suis quand même content là. Bon allez, de toute façon j'ai pas vu ce qu'il a fait, donc mais plutôt j'ai pas vu ses stats au gars. Je vais prendre Navidiki, Guy ou Lee, je vais prendre Guy. Donc si vous voulez faire comme Verdum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Si vous voulez me proposer des personnages d'autres que les Naruto et les classes sur... Oh, mais non, mais c'est c'est pas possible. Je suis maudit par les hommes masqués, c'est pas possible. Bon, si vous voulez me proposer des personnages que vous voulez que j'utilise, et ben les commentaires sous la vidéo. Donc voilà, allez. Oh, ça se voit que ça sent le ricain là, vu la connexion. Je sens que je vais me manger une défaite sévère. Ananonani. Oh là là, dès le début. Ouh, là, il skip. Voilà. Je l'ai pris à son propre jeu. Oh. En plus, même moi, comme un con, je me permute. Je sais pas pourquoi, mais... Ok, vas-y, amuse-toi de me balancer des pare-chocs. Ouh, malgré ce petit coup, j'ai quand même esquivé le... Mais non, mais il m'énerve, là, avec son tombeau Tenchi à la con. Bon, je vais tenter le corps à corps, mais je m'attends pas du miracle. Bon, franchement, ce type de comportement m'agace au plus haut point. Mais bon, maintenant, je vais faire avec. Je vais essayer de jouer rusé. Guignol, tiens. Non, c'est quoi ce délire là? Putain, normalement, il devrait s'en prendre plein la gueule. Non. Mais non, mais c'est pas possible. Je suis maudit. Oh non. Bon, je ne jouerai pas le mode éveil, mais bon. C'est pas très sportif de sa part. Allez, je suis un warrior. Allez. Ouais, eh ben je joue le warrior pas très longtemps, moi. Coup de bluff. Non. Oh là 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 là. C'est dégueulasse, c'est horrible. Franchement, sur cette vidéo, j'ai pas été épargné par les hommes masqués. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bah mettez un petit like. Hein. Si vous voulez proposer des personnages, comme je l'ai dit, si vous voulez proposer des personnages auxquels vous voulez que j'utilise, même les plus pourris, comme Shoji,
Vous me le dites et bah, je les utiliserai avec plaisir. Hein. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine et salut tout le monde.